Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Henri Leuvenbrouck, Nous rêvions juste de liberté. Avant de vous parler de ce livre, je vais vous présenter un peu l'auteur. C'est un auteur français qui a été musicien, professeur, c'est un biker. C'est un auteur très atypique. Il écrit un peu de tout. Il a commencé par une trilogie de fantasy, il a continué en SF. Il écrit des thrillers ésotériques, des romans historiques, des policiers, et il a écrit ce magnifique livre « Nous rêvions juste de liberté ». Ce livre n'est pas une nouveauté, il a été édité en 2015, mais je tenais à vous le présenter car ça a été un grand coup de cœur. Actuellement, il fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette histoire. Hein. Providence, le grand nulle part. La bande d'Hugo, dit Bohème, s'englue dans un avenir opaque. Pour s'en affranchir, vivant et libre, ces rêveurs intrépides entreprennent une traversée du pays qui n'épargnera rien ni personne. Guidant leur devoir d'insoumission, trois valeurs tutélaires, loyauté, honneur et respect. Sur la route, Bohème et les siens feront l'expérience de la vie, splendide et décadente. À la fin du voyage, au bout de l'initiation, un horizon, la liberté. Voilà. Donc nous partons suivre cette bande de bikers à la poursuite de la liberté. Donc c'est un roman policier qui n'est pas vraiment policier, je dirais. C'est plutôt un roman initiatique, un road movie magnifique. Par contre, suivant les personnes sensibles, je tiens quand même à vous préciser que c'est un petit peu... voilà, il peut y avoir des scènes peut-être un peu choquantes. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis la boîte extra spicy. Et maintenant, la question que je vous pose, jusqu'où iriez-vous par amour de la liberté? Je vous souhaite une excellente lecture et à tout bientôt.